Ma meilleure amie est morte. Vénus, t'es pas obligée. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi elle était enfermée de l'autre côté? Pourquoi? Pourquoi? On ne savait pas que c'était elle. Pourquoi tu as ouvert? Pourquoi ma meilleure amie s'est retrouvée à moitié morte dans votre refuge? Vénus, on n'a pas de temps à perdre, Vénus. On pourra revenir sur cette discussion plus tard, mais pas maintenant. Les zombies arrivent. On va partir se cacher au plus vite. Spectra n'est pas encore revenu. Je dois aller la chercher, chef. Vas-y vite, fais attention. Ils peuvent arriver de partout. Alors certains vont à l'étage et d'autres restent ici. Je suis pour aller là-bas au fond. Viens avec toi. Ceux qui viennent à l'étage me suivent. Claudine, viens avec nous, s'il te plaît. Oui. D'autres, suivez-moi. Nus, viens avec nous, on n'a pas de temps à perdre. Risque ta vie ici. J'arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'armes. J'en sais rien. Nos armes sont en haut. On doit courir au plus vite à l'étage. Mais c'est risqué. J'ai peur. Spectra, regarde-moi dans les yeux. Ouais, on a traversé des épreuves et on est toujours là. Ouais, je sais, mais c'est de plus en plus flippant. On va s'en sortir à celle-là. On a juste à courir le plus vite possible à l'étage. Prête? Oui. 3, 2, 1, go! Ne me lâche pas, je te lâcherai pas. Lâche ma jambe. Je veux pas. Gina Fire, je t'adore. Si on est en sécurité? Normalement oui, mais on ne sait jamais. Sans armes, on n'ira pas plus loin. Elle a pas tort. Bon, très bien. J'ai des armes dans mon bureau, mais on sera pas tous y aller ensemble. C'est très risqué. Je peux venir avec toi, Agil, Laguna. Je sais que t'es courageuse, mais j'ai vraiment pas envie que tu prennes des risques pareils, s'il te plaît. Pas pour moi. J'irai avec toi, tu l'as. Suis-moi. Veille sur lui, tu l'as. S'il te plaît. T'inquiète pas, Laguna. On reviendra vite. Promis. Je reviens, Jeanne. Ok. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Moi, ça va. Je sais que ça ne va pas, Dracula. Dis-moi. J'ai juste perdu la personne qui comptait le plus à mes yeux. Sinon, tout va bien. Raj, ça ira. Il faut pas que tu penses à ça en ce moment, s'il te plaît. Oui, je sais. Je vais faire de mon mieux. Toi, Claudine, c'est à cause de Claude aussi que... Il n'y a pas que ça. Tu peux tout nous dire, Claudine. Vous n'étiez pas là quand c'est arrivé. Ce matin, j'ai été tellement méchante avec Vénus. Je lui ai dit qu'elle ne reverrait pas Rochelle. Qu'il n'y ait plus de chance qu'elle la revoie.
Et le soir même, elle la retrouve morte. Enfin, moitié morte. Et elle a dû la tuer. Je m'en veux beaucoup pour ce que je lui ai dit. Ça ne se faisait pas. Et... je sais pas quoi faire. Claudine. Tu sais, Claudine, on arrive tous à pardonner. Tu n'as pas à t'en faire pour ça maintenant. Je suis sûr qu'elle te pardonnera. Merci, Jeanne. Il y a de la poussière partout. Ils n'ont plus mis les pieds ici depuis longtemps aussi. C'est peut-être ça. Pour l'instant, c'est un endroit dangereux. On ferait mieux de rester sur nos gardes. Ça va, Vénus? Ça va. Tu bouges plus, Luna. Vénus! Vénus, fais pas ça! Moi la vérité, Luna. Ici et maintenant, je connaissais Rochelle. Pourquoi elle s'est retrouvée là? Dis-le-moi maintenant. Vénus, fais pas ça. C'est pas du tout ce que tu peux croire. J'étais aussi l'ami de Rochelle. Ça me dit rien du tout. Pourquoi elle s'est retrouvée à demi-morte? Au début, on était quatre. Et dans l'eau, il y avait moi et Rochelle. Au début de l'apocalypse, lorsqu'on a été se réfugier dans ce lycée. On avait l'impression d'être en sécurité ici. Mais un jour, une tempête comme celle qu'il y a dehors s'est abattue. On a essayé de se réfugier, mais le bruit a attiré les zombies. Ils sont venus. J'ai fait de mon possible, Vénus. Elle est morte cette nuit-là. On n'a rien pu faire. Vénus, laisse ton arme maintenant. C'était ma meilleure amie. Depuis le début, je n'ai fait que la chercher. J'arrive pas à croire qu'elle est morte. Je fais de mon mieux pour la retrouver. Je pensais que j'y arriverais. Elle est morte. J'ai dû la tuer. Je ne peux plus rien faire pour elle. C'est fini. Je ne sais plus à quoi ma vie mène. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai plus du tout quoi faire. Je la trouve pas. Tu sais pas où t'as rangé tes armes? Si, c'est quelque part. Mais je les trouve pas. Gil? Oui? Tu t'es fait mordre? Quoi? T'as un tout petit peu de sang au niveau de ton coude du bras gauche. Bah ça, c'est rien. Je me suis pas fait mordre, t'inquiète. C'est pas ça du tout. Je me suis fait attaquer par une personne. Ce n'est qu'une petite griffure, t'inquiète. Tu t'es griffé? Attends. Gil. Est-ce que tu te souviens de l'histoire dont on t'a parlé? De quand on a eu des galères au laboratoire il y a quelque temps? Eh bien, tu sais qu'Aoline est morte là-bas. Elle s'est fait tuer. Mais par balle. Ça a dû se passer la nuit. Et elle avait du sang sur les griffes. Pour se défendre, quoi. Gil, dis-le-moi sincèrement. Tu as tué Aoline ce jour-là. Pas vrai? Gil!
Il y a un zombie qui s'approche. Les ghouls. Gil. Salut les ghouls. Visiblement rien de ce côté-là. On va les prévenir. Courez! On n'arrivera jamais à les semer. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Pas rejoindre les autres. Mais Juice! Vénus. Vénus.